Zulf Laoun, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à vous tous, c'est Djok Kawan, j'espère que vous allez bien. قبل الشرح في هذا الفيديو سأدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. الفيديو اليوم راح يكون على التحديث الجديد الذي أخرجته جيون وهو التحديث 3.6.8 لجهاز جيون OTT 750 4K والآخر 750 4K ألور بالنسخة 3.6.7. الجديد في هذا التحديث هو تثبيت عمل السيرفر وتثبيت القنوات الرياضية RMC Sport وزيادة التطبيق نتفليكس لمشاهدة الأفلام والمسلسلات ولا إلى آخره. Avant de faire mon tuto, je tiens à vous inviter à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier à chaque fois de nouvelles vidéos que je partage. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe et ma page sur Facebook. D'ailleurs, je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur la nouvelle mise à jour sortie par Gion. Et pour moi, je vais vous faire la démonstration sur la mise à jour 3.6. 8 du modèle OTT 750 4K et l'autre OTT 750 4K Allure. Et dans la description de la vidéo, je vais mettre les liens des autres versions telles que OTT 500 et OTT 600 et OTT 950. Le nouveau dans ces mises à jour, c'est la stabilité des chaînes RMC Sport ainsi que la stabilité du fonctionnement du serveur et l'ajout de l'application Netflix pour regarder les séries et les films et les documentaires. En premier, il vous faut télécharger la mise à jour. D'ailleurs, je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Fil awal yajib tahmil an nusra wa sa'ada jami' al-rawabit جميع الروابط أو رابط الصفحة في الديسكريبشن في صندوق وصف الفيديو. Une fois que vous avez téléchargé la mise à jour, il faut l'extraire et la mettre dans une clé USB. عندما يتم تحميل النسخة يجب فك الضغط على هذه النسخة ووضعها في الفلاش ديسك. Une fois que tout cela est fait, on va cliquer sur menu de la télécommande. Ça va à la zéro menu les remote control. Comme ça. On va chercher l'icône média. Ça va être un house. On va faire l'icône média. On va cliquer sur OK. Maintenant, on va cliquer sur tout ou software. On va faire l'USB. On va choisir l'USB. Et moi, je vais chercher la mise à jour. C'est certain, ça. Elle sera. نضغط على OK بالكومنترول. On va cliquer sur OK de la télécommande. Un message qui va apparaître va vous dire est-ce que vous voulez vraiment mettre à jour votre récepteur. Ça نختار الايقونة. Oui. نعم. ثم نضغط على OK. On va choisir oui et on va cliquer sur OK. Maintenant, le récepteur va commencer à uploader la mise à jour. Ça va prendre du temps, mais moi j'ai eu l'habitude toujours d'être avec vous jusqu'à la fin de la vidéo. كما قلت سأضع جميع رابط الصفحة في أسفل الفيديو وستجدون في هذه الصفحة نسخ جديدة للموديل OTT 500 و OTT 600 و OTT 950 في هذه الصفحة. Et moi, je vais mettre le lien de la page où vous allez trouver tous les liens
de ces mises à jour, c'est-à-dire le modèle OTT 750 4K et l'autre OTT 750 4K Allure et l'autre OTT 500 et 600 et 950, et vous allez trouver tout cela dans la page, et d'ailleurs le lien je vais le mettre dans la description de la vidéo. Comme je l'ai dit, عند تحميل النسخة يجب فك الضغط عليها بواسطة التطبيق WinRAR. C'est-à-dire, il faut là, décompresser l'archive à l'aide du logiciel WinRAR. Moi, dès que je suis arrivé à la maison, j'ai profité, c'est-à-dire j'ai eu un peu de temps et j'ai vu que c'est une nouvelle, c'est-à-dire c'est des nouvelles mises à jour. J'ai pris le temps de vous faire une vidéo, voilà, parce que sincèrement, ces derniers temps, j'ai pas vraiment le temps. Je fais juste des présentations de produits parce que voilà, c'est il faut respecter quand une parole est donnée. كما قلت الجديد في هذه التحديثات هو ثبات عمل السيرفر وثبات قنوات RMC Sport وزيادة تطبيق نتفليكس لمشاهدة الأفلام والمسلسلات ولا إلى آخره. Le nouveau, comme je viens de dire sur cette version, avec cette version, c'est la stabilité des chaînes RMC Sport ainsi que la stabilité du serveur Forever et l'ajout de l'application Netflix pour regarder les films, les séries. Et documentaire. L'opération prend un peu de temps, mais on va patienter un petit peu. Que maintenant, on a mal à l'air. Tastarek, Wharton, Alakin. Sinon, Howell. البقاء حتى نهاية الفيديو. ويمكنكم مشاهدة الفيديوهات التي قدمتها من قبل حول المنتوجات التي اشتريها من موقع موجود، وهي منتوجات جد جيدة. أنصحكم بالشراء إذا ما كنتم تعملون في مجال الإلكترونيات والميكانيك والصيانة العامة. وأنا أشتريها من موقع بنقود بأسعار جيدة. كما قلت في هذه الصفحة ستجدون روابط و
لهذه الموديلات الخمس موديلات او تي تي بكل انواعها يمكنكم البحث في داخل الصفحه وسترون الصور للاجهزه et dans la page vous allez trouver les modèles que j'ai mentionnés et vous allez les trouver même avec des photos etc etc c'est facile à trouver et moi je vais vous montrer rapidement sur le nouveau c'est à dire on va aller sur application ça la tabila هذه الايقونة ضغط على OK سنختار هذه الأيقونة ميديا on va choisir ميديا on va cliquer sur OK كما ترون تطبيق نتفليكس si vous le trouvez pas إذا ما وجدتم هذا التطبيق ستذهبون إلى هذا السينيال بلس وستضغطون على OK وتختارون كما ترون الفيرو دي زيادة الفيرو دي و وزيادة نتفليكس كما ترون قد تم زيادة Bref, j'espère que ce tuto saurait bien vous aider. J'espère aussi de votre part de m'aider à améliorer cette chaîne en donnant vos avis à travers des commentaires et pourquoi pas la faire partager entre vos amis. La bataille halou alayna bidat ala zar like ou l'ishtirak fil qanat ou tafahil jaras at tanbihat li yasilak el koubel jadid. Bref, c'était Jokiawan et je vous donne une autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.